Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous propose de découvrir le clavier Sharkoon Skiller Mech SGK3. C'est un clavier RGB mécanique, donc un modèle taillé pour les joueurs plutôt exigeants, car ce type de clavier est clairement plus réactif mais aussi plus endurant qu'un clavier normal, souvent équipé lui d'un système à membrane souple. Avant de démarrer, je tenais quand même à remercier Alterné de Belgique qui m'a gentiment envoyé ce clavier pour le tester, mais aussi et surtout parce qu'ils m'ont donné l'autorisation de vous l'offrir, et pour tenter votre chance, je vous explique tout ça en fin de vidéo, ainsi que dans la description de celle-ci, juste en dessous, avec tous les renseignements concernant le magasin bien évidemment. Maintenant, on y va sans plus attendre afin de vous montrer tout ce qu'il faut savoir sur ce clavier gaming aux multiples qualités et surtout à petit prix puisqu'il ne coûte que 70€. Alors, pour commencer, au niveau du packaging, je trouve la boîte vraiment très sympa avec un design qui pète bien et qui dispose notamment ici en bas à droite d'une info très importante pour ce genre de clavier, puisqu'il s'agit du type de mécanique installée. En effet, il existe différents modèles de touches qui sont référencés avec un code couleur et qui vous donneront une réactivité et ou un ressenti parfois radicalement différent. Le modèle que j'ai demandé, comme vous pouvez le voir, équipé de mécanique Kale Red, donc rouge, et que j'ai choisi parce qu'elles disposent d'une pression très linéaire, sans à-coup, ce qui les rend plus rapides à la pression et au retour à sa position normale. Celles-ci sont également un peu plus silencieuses, ce qui ne gâche rien, car c'est vrai, il faut le savoir, les claviers mécaniques sont souvent plus bruyants que ceux à membrane. À l'intérieur de la boîte, on ne s'encombre pas de choses inutiles car on a juste le manuel d'utilisation qui décrit très bien les fonctionnalités du clavier et comment les utiliser, et le clavier recouvert d'une petite protection en plastique transparent que vous pourrez même conserver et reposer sur votre clavier pour le protéger des poussières lorsque vous n'utiliserez pas. Déjà, première chose qui me saute aux yeux, c'est l'impression de qualité qu'il dégage, avec notamment toute cette partie au-dessus qui est métallique, très joli et qui augmente aussi son poids qui est tout de même de 1 kg 460, c'est une belle bête. Il est également peu encombrant car il ne mesure que 44,6 cm de longueur, 17 cm de largeur et à peine 4,5 cm d'épaisseur. En dessous, il dispose évidemment de deux petits pieds afin de pouvoir l'incliner un peu et un câble USB de 1,80 m pour le connecter au PC. Au niveau des spécifications techniques principales et sans rentrer dans le détail pour ne pas vous gaver, j'ai surtout noté qu'il avait une excellente fréquence de testing sur les touches paramétrables de 125 Hz à 1000 Hz, ce qui est énorme. Il est équipé d'un système anti-ghosting et du N-Key Rollover, deux systèmes qui vous assureront que chacune des touches pressées seront bien prises en compte, même en cas de pression multiple et rapide, comme on est souvent amené à le faire en plein jeu. Je dois dire qu'à ce niveau, il tient vraiment toutes ses promesses et les touches ont une course d'action d'à peine 1,9 mm, ce qui le rend beaucoup plus rapide que les claviers à membrane. Et enfin, on a le câble USB qui est en tissu tressé, assez résistant et de très bonne qualité. Au niveau des fonctionnalités, c'est open bar, je vous le dis tout de suite, avec plein de trucs super sympas dont une vingtaine d'effets lumineux directement accessibles via le clavier, donc sans même passer par le logiciel que l'on verra un peu plus tard. La possibilité de désactiver la touche Windows en jeu pour éviter une mauvaise manipulation qui pourrait vous ramener sur le bureau. Des touches multimédia déjà préprogrammées pour lancer par exemple votre messagerie, le lecteur multimédia, monter et descendre le volume, lancer votre navigateur internet, etc. etc. C'est super pratique. Vous avez même une possibilité d'intervertir les flèches directionnelles juste à droite du clavier avec les touches ZSQD qui sont bien connues des joueurs clavier souris et la possibilité de régler l'intensité des LED avec 5 niveaux différents. Et ça, ce n'est rien que la partie que vous pouvez faire directement sur le clavier, encore une fois, sans passer par le logiciel que l'on va voir tout de suite. Au niveau du logiciel, je dois dire qu'une fois de plus, Sharkoon a réussi à faire quelque chose de super léger, simple et hyper efficace. En plus de ce que j'ai énuméré précédemment, le logiciel vous permettra de créer et enregistrer jusqu'à 3 profils différents enregistrés directement dans le clavier, de modifier votre affichage LED un peu comme vous voulez, carrément touche par touche avec des couleurs différentes si vous le souhaitez, modifier l'affectation d'une touche par une autre fonction ou même par une macro que l'on peut créer dans le programme très simplement. Vous pouvez aussi, tout en bas, modifier la fréquence de rafraîchissement pour le rendre plus ou moins sensible. Bref, c'est super bien fait et très convivial. Bref, pour ce qui concerne mes impressions sur ce clavier, elles sont vraiment plus que bonnes. Il faut savoir qu'au quotidien, j'utilise tout de même un clavier haut de gamme Corsair K95 RGB Platinum qui coûte aux environs de 200€, ce qui n'est pas rien,
et ce Sharkoon, qui coûte près de 3 fois moins cher, n'a vraiment pas à rougir de la comparaison. Il est de très bonne facture, c'est la qualité germanique, que voulez-vous. Les touches Red Kale sont vraiment super agréables et très rapides, et le nombre de fonctionnalités disponibles est juste énorme, ce qui lui confère un rapport qualité-prix vraiment difficile à concurrencer. Dans les points perfectibles, je dirais juste qu'à mon goût, les touches du clavier sont peut-être un peu trop hautes. C'est sûrement parce que je suis habitué à voir le repose-poignet intégré à mon Corsair, mais à part ça, honnêtement, je ne vois pas ce qu'on pourrait lui reprocher pour un clavier mécanique à ce prix. Venons-en maintenant à une partie qui intéressera peut-être quelques-uns d'entre vous, c'est-à-dire comment essayer de le remporter, je vous le rappelle, grâce à Alternate Belgique qui me l'a offert. Eh bien, c'est très simple. En premier, abonnez-vous au compte Instagram de Alternate Belgique, dont le lien est tout en haut de la description de la vidéo, et il est également dans un commentaire épinglé juste en dessous. Abonnez-vous ensuite à ma chaîne si ce n'est pas fait, et mettez simplement un petit commentaire pour dire que vous participez, et surtout, n'oubliez pas d'y mentionner votre nom Instagram afin que je puisse vérifier votre abonnement sur le compte Instagram d'Alternate. Encore une fois, c'est un magasin que je vous conseille car ils sont très sérieux, leurs prix sont vraiment très concurrentiels, d'ailleurs tout mon matos, je l'ai acheté chez eux. Ensuite, vous aurez jusqu'au dimanche 17 janvier à minuit pour participer et je ferai le tirage très rapidement dans la foulée pour annoncer le ou la gagnante, c'est-à-dire le lundi 18 dès le lendemain matin. Sur ces belles paroles, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, liker et partager. Pourquoi pas vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Surtout que voilà, dès que je reçois un petit cadeau à tester, que ce soit du matériel ou un jeu, dès que je peux, je vous en fais profiter directement. Je me dis que c'est ça aussi le partage. Donc moi, je vais continuer à faire évoluer la chaîne comme je peux tout en m'amusant. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.